Bonjour à tous, petite vidéo sur Power Query. Aujourd'hui, on va faire quelques manipulations de standardisation de données. Donc, on va partir d'une feuille blanche ici. Donc, même pour ceux qui ne connaissent pas Power Query, vous allez pouvoir découvrir des choses. Alors, Power Query, c'est tout simplement un logiciel qui est intégré à Excel et qui nous permet de standardiser, de créer des tableaux et surtout d'actualiser des données en temps réel. C'est-à-dire qu'on peut partir de plusieurs fichiers de source et que si ces fichiers de source sont modifiés, eh bien, dans notre tableau, ce sera modifié également. Donc, je résume globalement Power Query. On a plein de vidéos sur Power Query sur la chaîne YouTube que vous pouvez explorer un peu pour découvrir le logiciel. D'ailleurs, avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à aller regarder dans la description de la vidéo. Il y aura plein de liens qui vous seront utiles, notamment des liens vers nos formations où justement on forme à Power Query, à Excel, sur des formules, sur plein de choses. Donc il y a des formations sur mesure individuelles, il y a des liens vers des formations différentes, un peu de création de tableau de bord. Donc n'hésitez pas à regarder les liens de nos formations. Il y a également les liens vers notre site internet, les liens vers certaines ressources pédagogiques de la chaîne YouTube, de notre site, des articles de blog, ce genre de choses. Donc encore une fois, n'hésitez pas à consulter tous les liens en description. Donc on va partir d'une feuille blanche ici et on va aller récupérer des données d'un tableau de source. Donc pour ce faire, on va aller dans Données. Alors moi je travaille sur Mac, donc l'architecture de Power Query sur Mac n'est pas la même. Il y a plein de choses qui sont un peu anciennes, qui ne sont pas encore nouvelles. Bien évidemment, ça va s'actualiser au fur et à mesure du temps, en espérant que Power Query sur Mac soit aussi développé que Power Query sur Windows. Donc il y a plein de choses qu'on ne peut pas encore faire sur Mac, mais la plupart des choses, mine de rien, on peut quand même les faire. Donc on va aller sur Obtenir des données, ici Power Query, et on va faire Obtenir des données, et on va aller chercher à partir d'un classeur Excel. Le classeur Excel, on l'a déjà téléchargé, c'est un fichier qui s'appelle Enrichissement d'une base de données RH1. On va aller le chercher, on va faire Suivant. On va sélectionner le bon tableau. Il y a plusieurs tableaux. Là, le résultat à obtenir, c'est dans le fichier. Effectivement, on donne la possibilité de consulter les résultats à obtenir. Nous, ce qu'on veut, c'est la base de données des salariés. Et on va aller dans Transformer les données. Et il va nous amener sur l'éditeur Power Query. Et là, on va faire trois choses dans l'éditeur Power Query. On va standardiser les prénoms, les noms et les sexes. Donc, les sexes, s'il y a des erreurs, on voit qu'ici, il y a deux fois homme, il y a madame, il y a monsieur. On va tout standardiser. Les prénoms, on va créer deux nouvelles colonnes. On va créer une colonne pour créer des initiales et une colonne pour afficher non pas le prénom et les noms dans deux différentes colonnes, mais pour les afficher dans une seule et même colonne. Donc voilà, on va commencer par ça. Donc on va commencer par les sexes. Alors sur Power Query, on va avoir toutes nos étapes qu'on va faire, on va les mettre ici. D'accord? Donc on va commencer par créer, donc standardiser la colonne des sexes. Pour ce faire, on va sélectionner la colonne. On va voir ici qu'il y a plusieurs données qui sont un peu superflus, qui sont doublés ou qui indiquent deux choses différentes. Donc ici, on va tout simplement faire un clic droit. Encore une fois, on n'a pas la même visualisation sur Mac. Des fois, certains outils n'ont pas les mêmes noms, mais là, relativement, c'est à peu près la même chose. Là, on va remplacer les valeurs et on va lui dire qu'à chaque fois qu'il trouve madame, on va remplacer par femme. On veut une seule colonne avec homme, femme, et c'est tout. Là, on voit qu'il y a des madames qui n'ont rien à faire là, donc on va remplacer les madames par femme. Ici, donc, on va voir que toutes les madames seront supprimées et remplacées par femme. On va faire la même chose pour homme, donc monsieur homme. Et là, il nous reste plus que deux hommes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans transformer. Donc la plupart du temps, on va aller dans transformer. Et dans transformer, on va avoir plusieurs versants, on va avoir plusieurs axes. On va avoir les colonnes de texte, les colonnes de nombre et les colonnes de date. Nous, ici, c'est une colonne de texte, donc on va aller sur colonne de texte. Et on va faire mettre en forme et on va aller sur nettoyer. Nettoyer, il va nous supprimer les caractères non imprimés dans les colonnes sélectionnées, donc les espaces, ce genre de choses, les espaces superflus. Donc on va aller dans colonne de texte, on va faire mettre en forme et ici on va faire supprimer. Alors supprimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va supprimer les espaces, mais seulement les espaces superflus, c'est-à-dire que ceux qui se situent par exemple après le dernier caractère ou avant le premier caractère. On va faire supprimer effectivement parce qu'il y avait des hommes dans les colonnes qui contenaient un espace à la fin. Et donc voilà, notre colonne a été standardisée, on n'a plus que homme et femme, donc en quelques clics. Donc c'est encore plus rapide qu'Excel, on n'est pas obligé de passer par une fonction, par des fonctions ou des remplacer. Ici, on peut le faire directement dans Power Query. Et si jamais on rajoute des colonnes dans Power Query, il va nous actualiser ça en direct. Ensuite, les deux choses que je vais faire avant de créer mes colonnes d'initial et mes colonnes de nom complet, c'est que je vais aller standardiser déjà le format des prénoms et des noms. Donc je vais faire pareil ici, je vais aller toujours dans transformer et colonnes de texte. Là, on voit qu'il y a mes étapes ici d'ailleurs, texte nettoyé, donc ça on s'en fiche parce qu'on ne voulait pas le faire, texte tronqué.
Et donc on va aller ici dans prénom, on va se rendre dans colonne de texte, et là pareil on va mettre en forme et on va choisir le format. On peut choisir un format minuscule, majuscule. Ici pour les prénoms on veut la première lettre de chaque mot en majuscule. Et on voit qu'ici tous nos prénoms qui étaient des fois en majuscule, des fois tout en minuscule, des fois avec la première lettre en majuscule, sont standardisés avec le format qu'on a choisi. Et on va faire pareil pour les noms, on va aller ici colonne de texte, mettre en forme, et on va mettre cette fois en majuscule parce qu'on veut les noms de famille en majuscule. Ensuite, à partir du nom, on va créer une colonne d'initiale. On va vouloir une colonne d'initiale, pourquoi? Parce que dans notre tableau final, vous allez le voir sur la grosse vidéo qui concerne ce fichier là, la colonne d'initiale elle nous sert de segment, donc de filtre. On va pouvoir filtrer par les initiales. Donc là ça va pas être les initiales de prénom plus nom, on va le faire, donc c'est un niveau 1 hein, bien évidemment. On va aller développer ça, rendre, complexifier un peu tout ça sur des niveaux 2, des niveaux 3. Là ici on va le faire assez simplement, on va aller sur la colonne de nom, on va faire extraire, donc on va faire colonne de texte toujours, on va faire extraire, et cette fois on va lui dire on va extraire les premiers caractères. On va choisir le nombre de caractères, moi je veux juste l'initial du nom, je veux juste le premier caractère, donc on va faire 1, et on voit qu'il va nous transformer notre colonne de nom ici avec les initiales. Donc alors, ce que je pourrais faire, donc si je supprime par exemple l'étape, il va revenir en arrière, c'est que j'aurais pu faire ajouter une colonne et là mettre extraire effectivement le premier caractère pour qu'il me crée une colonne en plus. Et c'est ce qu'on va faire ici parce qu'on va avoir besoin de notre colonne de nom pour créer la colonne de nom complet. Donc on va faire extraire à partir de ajouter une colonne, comme ça il va nous l'ajouter dans une autre colonne qu'on va appeler initiale ici. On double-clique, initiale. Et ensuite, je vais la bouger, je vais la mettre juste après les matricules. Donc là, on a notre colonne d'initiale. Et ici, on va vouloir donc cette fois fusionner les deux colonnes ici, prénom plus nom, pour pouvoir créer une colonne de nom complet avec prénom en espace et le nom de famille. Et pour ça, on va se re-rendre dans transformer, on va se re-rendre dans colonne de texte. On va fusionner les colonnes ici, donc ça va fusionner les colonnes, comme son nom l'indique, avec un séparateur qu'on va choisir. On pourra choisir un point virgule, ici on va choisir un espace pour qu'il y ait à la fois le prénom et le nom qui soient fusionnés. Et ici on va appeler ça nom complet. Donc là on n'a pas ajouté de colonne, hein, on l'a extraite directement des colonnes qui existaient déjà, donc ça a remplacé un peu tout ça. Si on va dans le petit menu à droite, on va pouvoir suivre un peu l'évolution de ce qu'on a fait. Alors on n'a peut-être pas fait ça dans le bon ordre, hein, l'intérêt c'est juste de faire ça au fur et à mesure, de regarder un petit peu. Si on voit qu'il y a une étape qui n'a pas fonctionné, on peut la supprimer facilement. Et donc là voilà, on a fait notre petite standardisation donc en quelques manipulations. On voit à quel point Power Query est puissant parce que c'est assez complet. Donc en quelques manipulations, on a réussi à extraire les initiales, à extraire les noms complets et à standardiser la colonne de sexe. Il y a plein d'autres choses à faire dans ce fichier, on y reviendra dans d'autres vidéos, étape par étape, donc sur un format un peu court comme celui-ci, où on va faire quelques petites choses. On va aussi explorer des données un peu plus complexes, aller chercher les initiales par exemple du nom plus du prénom, faire plein d'autres choses, fusionner des requêtes. Donc voilà, la première, on va dire une des premières vidéos sur ce type de format sur Power Query, où on a fait trois petites manipulations en expliquant un peu globalement comment fonctionnait Power Query. Donc il y aura plein d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à les consulter, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube, à regarder les autres vidéos de la chaîne, à consulter les liens en description, les liens vers nos formations pour vous inscrire si vous souhaitez vous former, les liens vers nos articles de blog qui traitent aussi de plein de choses autour d'Excel, autour de Power Query. Donc voilà, première petite vidéo sur Power Query, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ce sujet-là ou sur un autre sujet.